Bien, nous allons commencer par les arbres. Par exemple, cet arbre, nous pouvons le mettre déjà comme ça. Et je vais vous montrer comment ça fait. Dans la pente nue, bien sûr. Voilà. On peut rajouter plus de branches, bien sûr. Ensuite, voilà, ce qui en a déjà peut-être beaucoup mieux. Ensuite, il faut prendre un autre sol. Ensuite, un autre arbre, par exemple celui-là. Et je vais même pouvoir y mettre des petites herbes en bas. Regardez. En bas de l'arbre, on pourra y mettre des petites herbes. Comme ça. Et cet arbre, je pourrais le mettre comme ça. On va pas très bien, je sais. Ce problème sera sans doute réglé dans les prochains jours. Peut-être même jamais, tiens, tant qu'à faire. Désolé, je vais devoir fermer. Il faut que je remette mon arbre. Voilà, mon arbre, il est mis. Ensuite, nous avons un dernier arbre à mettre. C'est juste un petit arbre comme ça. Bien. On a fini avec les arbres. Donc, nous allons enchaîner avec les couvertures de sol, les buissons, les rochers et tout ce qu'on peut avoir. Bon, si vous voulez bien passer, merci. Les petits buissons, ben ça, vous mettez comme ça fait des buissons. Donc c'est très bien pour une forêt. Vous mettez des petits trucs comme ça fait buisson et vous pouvez même les empiler. Comme cela, par exemple. Ou bien comme cela. Mais vous pouvez les empiler pour faire un effet buisson. Vous pouvez y ajouter une petite mare, vous avez déjà une petite forêt, comme ça. Bien, nous allons peut-être utiliser quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. Ces petites branches, cela ferait très bonne couverture de sol pour la forêt. Enfin, c'est pas mal, hein, d'utiliser ces choses-là. Bon, bien sûr, c'est mieux de ce sens-là. Voilà. Voilà, une couverture de sol. Dans le sol de la forêt, on a souvent des branches par terre. C'est plutôt utile. Bien, la lumière, je sais. Je réglerai ça. Vous pouvez mettre des roches comme ça. Et la couverture de sol un peu en dessous, comme ça. Voilà. Ces rochers, vous pouvez le mettre comme ça, debout. Avec des petites pierres, comme ça. Avec une fougère qui vient là. Bien, ça a déjà fait tout ça. Alors, vous me direz dans les commentaires si c'est pas mal. Bien, maintenant, nous allons ajouter des petits trucs. Hein, des très très petits trucs, mais ça peut être bien. Je vais d'ailleurs rajouter une petite fougère ici. On peut peut-être rajouter un truc, c'est peut-être pas spécialement nécessaire, mais ça me tient à cœur. Quelques végétaux, fleurs, machin. On peut rajouter des petites plantes comme ça. Attendez. Voilà, il me reste encore des petits trucs là, mais ça a l'air que de ça. Vous pouvez mettre des plantes, le long comme ça, c'est bien pour un jardin. Ça, c'est bien contre les petits rochers. Ça, c'est bien ici. Petite fougère. Ça, c'est trouvable dans le secteur reptile. J'ai des reptiles. Voilà, une petite fleur comme ça. Je la pose comme ça parce que j'ai plus vraiment d'autres choses à mettre comme ça. Bon, d'ailleurs, nous allons pousser un peu ça. Couverture du sol, on peut peut-être la laisser, mais voilà. Et vu que cet arbre-là, je l'ai qualifié de pommier, je vais mettre des petites pommes à ses pieds. Parce que c'est un pommier. Et ici, on peut rajouter une petite araignée en plastique que j'ai achetée à Halloween. Pour faire plus forêt. Une forêt est mieux avec des animaux. Et quand on parle d'animaux, bah tiens, un crocodile, tant qu'à faire. Bien, on va repasser par tous les coins de la forêt en détail. Bien, voilà. Voilà. On saute là-dessus. Ouais. On voit ça, des buissons, un arbre, des couvertures de sol, un marécage, le pommier. Le crocodile, la pierre ici, le petit arbre ici. Ici, voilà. Et ici. On a passé un peu partout dans la forêt.